Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais quel escroc! Oh, je souffre, je souffre. Comment t'es trop? Oh, le pot de panique, il en fait toujours des... Oh, mon Dieu! Oh, sa patte, sa patte! Oh, c'est brisé. On est mal barré. Non, ne touche pas. Oh, la gosse, ça doit faire mal. On dirait un faux. Comment ça, un faux? Un faux. Ou un tox. Tiens, ça t'apprendra à faire des blagues à la gomme. Oh, mon Dieu. Mais enfin, j'ai déjà mal comme ça. Mais non, pas un faux F-A-U-X, un faux F-A-U, un faux l'arbre. Tais-toi, souffre en silence. Mais je suis digne. Tu vois tous ces arbres tordus? Eh bien, ce sont des hêtres tortillards, autrement appelés des faux, de l'ancien français faillard, qui veut dire fou, zinzin, maboule. On les trouve principalement dans la forêt de Verzy, dans le parc naturel régional de la montagne de Reims, dans la Marne. Il y a même un sentier pour s'y balader. Un faux mesure environ 5 mètres de haut et étale ses feuilles en parasol ou en igloo. Son architecture est complètement tordue. En hiver, on se croirait dans un film fantastique. Certains ont même un nom selon leur forme. Le faux parapluie, le faux de la mariée, le faux de la tête de bœuf, mon préféré. Et le faux demoiselle, c'est celui dans lequel Jeanne d'Arc aurait fait une sieste, paraît-il. Intéressant, non? C'est fascinant, on dirait de l'art moderne. Et on sait pourquoi ils sont comme ça. Mutation génétique ou punition divine. Mystère. Oh, Dieu, c'est toi. Bien sûr, ma pucelle. Allez, serre les dents. Mais je n'ai pas de dents. Oh, c'est magique. La remarche, bravo.